Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis en 100 images par seconde. Donc là, c'est vraiment du 100 FPS. Du 60 quoi. Mais même en double quasiment. Ouais, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais, comme je vous l'expliquais l'épisode précédemment, en fait, j'avais mis capture sur 4K. Bon, en fait, j'avais mis l'écran 4K. Et du coup, avec la Titanic, il va jusqu'à 35 FPS. Que là, maintenant, sur la 1080, je suis à 100, 105, etc. quoi. Ce qui est beaucoup plus intéressant. J'ai oublié un petit détail qui peut être vraiment intéressant. Donc ici je vais mettre un petit escalier, donc bien évidemment pour ça faut que je recule, voilà, comme ça on a un escalier pour pouvoir rentrer paisiblement chez nous, parfaitement. Donc maintenant ce que je pourrais faire, donc là on a fait un petit peu tout à l'heure notre petite cuisson, j'avais fait l'armoire elle est où? Mon sac de couchage il est là, je vais essayer de l'installer. Maintenant je vais essayer de faire mon armoire. Alors laissez-moi juste le temps de vous montrer ça. Mon armoire elle est où? Donc là, il faudra de la pierre et du carburant de qualité. Le carburant de qualité, il se trouve quelque part ici. Ok. On va en faire plusieurs, hein. Même à fond. Ah, je peux pas aller plus loin. Je peux que en faire certains trucs. Le sac de couchage, il est très important. C'est là que je pourrais dormir et réapparaître, en fait. Ok. Je vais le mettre ici. Maintenant, soit je peux le donner à un ami, ok, que vous choisissez ici, ou soit vous le nommez. Je vais l'appeler Body YouTube Vidéo. Ah mais sérieux moi. Je vais l'appeler comme ça. Je vais l'appeler comment? Ah merci, j'ai eu peur. Donc ouais c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est peut-être ramasser encore un petit peu de pierre. Donc là il est beaucoup plus joli hein, en 60. Hein. Moi je sais pas, je préfère franchement la 60 images par seconde, je trouve ça maintenant vraiment, je peux plus m'en passer. Depuis que je l'ai testé, je trouve ça beaucoup plus fluide, etc. Même maintenant les vidéos, tu vas faire visiter quelqu'un, tu vas faire visiter un monument à quelqu'un, je préfère le voir en 60 images par seconde. Même en 4K, 60 images par seconde. Bon, malheureusement ça ne marche pas forcément bien. Pour plusieurs raisons, c'est qu'il faudrait deux cartes en SLI de Titanic pour la faire bien marcher. Et encore je dirais même une triple carte Titanic, ce qu'il faudrait vraiment pour avoir toutes les capacités à fond. Mais bonjour le coup que ça prendrait, etc., etc. Donc bref, donc là la maison elle est là-bas, on la voit bien. Donc je vais essayer de rapidement maintenant récupérer encore un petit peu de pierre, là où je me suis pas encore forcément aventuré. Donc je crois qu'on s'est aventuré là-bas. Donc j'espère que ça a pu respawn un peu. Ce qui est bien c'est que j'ai fait 5 minutes de pause et ça nous a mis la journée. Je préfère largement avoir ça que d'avoir la nuit. Parce que la nuit c'est vraiment chiant quoi, t'as pas forcément envie de faire les choses quoi. Donc la parabole elle est là. Donc là je veux faire une grande visite en fait. Donc il faudra bien qu'on mémorise tout ça. Même si je meurs c'est pas vraiment grave, de toute façon le sac de couchage il est juste à côté. Il faudra juste que je ramasse énormément de pierres. Et de tonneaux bien évidemment aussi. Qu'on aura l'occasion d'en trouver, je vais essayer de pas me gêner. On s'y croit vraiment, hein. Sincèrement, imaginez-vous, vous êtes en train de marcher à la place du joueur. Mais c'est kiffant, hein. Franchement, je trouve ça super intéressant, quoi. Donc après, ce chemin-là, il mène un petit peu partout. Où est-ce qu'on peut se balader juste après? Je vois pas forcément où est-ce qu'il peut y avoir des pierres pour le moment. Bon, c'est pas grave, on part en mode exploration. Après, il y a des bases militaires, mais j'ai déjà testé, en fait, même avec la combinaison anti-radiation, bah, faudrait tout simplement avoir aussi les pilules d'anti-radiation. Parce que c'est bien d'avoir la combinaison, mais vous allez quand même avoir des petits soucis, en fait, avec la radiation. Donc, c'est faut être bien équipé, en fait. Donc là, je vois pas forcément des pierres. J'ai juste repéré un truc qui peut être intéressant, c'est des conteneurs un petit peu à côté. Donc après ça nous empêche pas de faire plusieurs maisons un peu partout hein. Mais mieux vaut se concentrer sur une et la faire bien que d'en faire plusieurs et les faire moins bien quoi. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans?
Ouais, une torche, j'adore. Ça peut servir au cas où je rentre la nuit, quoi. Je veux pas faire non plus mon petit grincheux. Regardez comment ils ont caché les conteneurs. C'est des petits malins quand même, hein. Qu'est-ce que ça va nous donner là? Tu crois? Rien du tout. Non. Ah, ça nous a rien donné. Bon, c'est pas grave. Donc moi j'habite derrière là-bas. C'est pour ça que je vous dis franchement, si même on est 50 ou on est 100, il y a énormément de place pour tout le monde, quoi. C'est ça qui est vraiment génial. Même quelqu'un qui veut s'installer juste ici, il peut, hein. Il n'y a aucun problème, quoi. Parce que moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est faire un immense village, en fait. C'est ce que j'avais fait avant, sauf que la sauvegarde, comme je vous l'expliquais, elle l'avait planté. Mais j'étais vraiment en kiff, quoi, dedans, quoi. Faire un immense village, oh, il n'y a rien. Bon, là, j'ai des pierres, je vais profiter pour les prendre. Non, je vais jamais. Oh non, 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 c'est pas la bonne truc. Doucement, doucement, t'emballe pas non plus. Encore un petit effort, ça va bien se passer. Mais les pierres, c'est vraiment chiant parce qu'il faut en avoir 300 par 300 quoi, pour faire au moins un mur quoi. Encore un peu. Et là, il fait trop froid, je risque de mourir. Hein. Pas forcément, mais si je reste trop longtemps sur cette zone-là. Je risque de comprendre un petit peu ma douleur. Ça, c'est des pierres. Ça ressemble à quelque chose que vous pouvez casser, mais ça ne se casse pas. C'est toujours la même forme, en fait, les pierres en question, quoi. Comme là-bas, par exemple, sous la neige, etc. On dirait une grande grotte ici, là. C'est joli, c'est joli. Je vais me précipiter sur la petite pierre juste en face. Là, là. Ah, il y a quoi là-bas? Trop froid, ça, je le sais bien. Après, on a la possibilité d'observer ce qui se passe derrière. Hein. Mais en fait, ça marche plus comme avant. Je vous dis, hein, les pierres sont vraiment chiantes à obtenir, quoi. Dès qu'on les aura, on passera à des choses beaucoup plus intéressantes. Parce que pour le moment, j'avoue, c'est franchement beaucoup de cueillettes, quoi. Je vais juste voir un truc, ça vous dérange pas. Je vais mettre l'arc au cas où j'en ai besoin. Et je vais changer ça parce que j'ai pas forcément besoin tout de suite. Au cas où je me fais attaquer par un loup ou quoi que ce soit, au moins j'ai ce qu'il faut quoi. Pour pouvoir contrer légèrement ses coups. À deux pierres. Ça c'est plutôt sympa. Donc celle-là elle est un petit peu recouverte de soufre. C'est le truc jaune en fait que vous voyez dessus. Et l'autre c'est vraiment de la pierre. Donc c'est pas plus mal quoi. Faut faire juste attention au niveau de la santé de ma pioche là. Encore un petit effort, vas-y. Donc je vais en créer une en attendant, ça vous dérange pas, regardez bien. Tu vois, je vais faire ça comme ça et je vais en faire une en attendant, on perdra pas de temps. Au cas où celle-là se casse, j'en ai une deuxième en préparation qui arrive dans 2 minutes. De toute façon, elle va se casser. Vous voyez, c'est ça que je préfère, avoir énormément de pierres. Là, comme par exemple, on prend que du minerai de métal, quoi. Oh là là, il y a que ça, il y a que ça, regarde. Il y a que ça. La pierre, elle est tellement rare, j'ai l'impression maintenant. C'est le truc que tu as le plus besoin. Dommage, sincèrement, qu'ils n'ont pas fait un truc, faire des grands rochers comme ça. Ça, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir des grands rochers de pierres comme ça. Ceux-là, on peut pas les casser. C'est super mal fait. Voilà, tu vois, je viens de péter mon truc. C'est bon que je voulais faire le malin. J'aurais bien aimé en fait avoir ça, quoi. Parce que pour le moment, je trouve que c'est un petit peu nul, quoi. Un petit champignon. Tu sais, le mec qui part en cueillette, quoi. Donc là, on peut soit poursuivre un petit peu sur la lignée ou on fait un petit retour en arrière. Vous voyez, je suis derrière la parabole, hein, quand même, hein. Je suis pas forcément à côté, hein. Des fois, en fait, tu peux partir en cueillette comme ça pendant des heures et des heures, et t'as perdu où t'habitais, quoi. Tu sais même plus où t'habites. Ce que je disais, c'est que c'est dommage vraiment qu'ils n'ont pas mis des baleines, des requins, ou des dauphins, ou autres animaux, on va dire, aquatiques, quoi. Ça aurait été sympa, quoi. Parce que franchement, ils ont vraiment la possibilité de faire ce qu'ils veulent, quoi. Nous, on va dire, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de chasser le cheval là-bas. Comme ça, je pourrais au moins me faire quelques fours. Pouvoir commencer enfin à faire du métal. D'accord, je suis balèze comme gars. Elle est jolie la flèche où je l'ai mis.
Je l'ai touché, mais ça lui a rien fait. Je te jure, c'est n'importe quoi. Bon, bah maintenant il s'est enfui, donc moi je vais pas chercher à aller trop loin parce que je risque de décéder. Ah, ça va super vite. 2 petites secondes, on a une nouvelle pioche. J'ai repéré une pierre. Je vais saisir l'occasion, on a même 2 là. 3. Mais vous voyez, franchement, c'est beaucoup de ramassage de pierres. Hein. Du moins pour le moment. Donc là, après, il faudra que je vire quelques trucs. Faudra se créer des coffres, etc. pour pouvoir avoir un peu plus de place. Parce qu'au bout d'un moment, les cases vont être complètement saturées. Encore un petit peu. Ça, c'est bien. Donc, j'ai repéré une autre pierre qui est à côté. Voilà, elle était là. On a encore une derrière. Vous voyez, ça dépend. En fait, les animaux, ils sont un petit peu mi, on va dire, ils sont un petit peu mi bizarrement, en fait. Des fois, je comprends rien. Parfois, ils sont dans des zones où t'as l'impression qu'en fait, ils sont au bord de la mer. Des fois, ils sont au bord des montagnes. Je sais même pas où ils les ont mis, en fait. Peut-être, j'ai l'impression qu'ils les ont mis un petit peu aléatoirement. Voilà, ça c'est bien. Il me manque encore un peu. Donc après, je pense que le mieux c'est de ramasser la petite pierre juste en bas. Combien j'ai de pierres? Alors j'en ai... Ouais. Donc les choses qu'on n'a pas besoin, on peut s'en débarrasser, ne vous inquiétez pas. Parce que vous voyez le métal qu'on a, et le métal en fait pour pouvoir le faire fondre, il y en a du chemin. Là ça me prend des cases bêtement. Ça c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment bien. Ça, je vais le manger tout de suite, comme ça va être fait. On a encore 4 cases de dispo, quoi. Donc ça va, j'ai de la marge encore un petit peu. Mais ça rend fou de faire ça. Mais en tout cas, la maison, en moins, sera fortifiée. Après, ce qui me restera à faire, c'est faire par exemple des fours. D'accord? Chose qu'on va faire rapidement pour faire du métal. Donc après, ce sera le bois qu'il faudra privilégier. Sauf que le bois. J'ai de la chance, il y en a un petit peu partout. Et après, on aura quoi d'autre à privilégier? Bah, quelques trucs de construction et après, c'est bon. C'est pour ça que là, franchement, c'est des tâches un petit peu ingrates, dites-vous bien. Et qu'après, on va pas forcément subir ça, quoi. Donc là, je regarde un petit peu. Ouais. Donc l'arc, j'ai plus de flèches, du moins pour le moment. Donc, faudra que je repère un petit peu certaines zones qui vont nous servir après pour plus tard. Donc, la parabole est là, elle est là. Est-ce qu'il y a des pierres un petit peu partout encore ou pas? Tant que je suis pas sur la montagne en fait où il n'y a que de la neige, ça va, je peux encore survivre. Mais après, c'est là que ça va devenir un peu plus complexe. Aïe 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 aïe. Le truc dommage qu'ils n'ont pas encore mis pour le moment, c'est aussi l'électricité. Par exemple, tu te prends une éolienne, je ne sais pas, moi, t'arrives à en fabriquer une, et après ça te produit de l'électricité, ça peut tout simplement t'éclairer un petit peu ta base. Ça aurait été vraiment kiffant en fait. Parce que vu comment il fait sombre dans le jeu, tu passes limite 40 minutes dans la journée et 40 minutes dans la nuit, et du coup, ils auraient pu faire ce petit effort en fait par rapport à ça. De toute façon, on verra bien au fur et à mesure de l'évolution, parce que le jeu n'est pas fini, dites-vous bien, il est constamment amélioré. Il y a constamment des mises à jour. Et du coup, bah, c'est un petit peu chiant, quoi. Du coup, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça éteint le serveur. C'est ça qui est un petit peu chiant par rapport à ça. Donc voilà, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et après, on va tout simplement poursuivre tranquillement là où on s'est arrêté. Ok? Je vous dis à tout à l'heure. Prenez soin de vous.